Donc alors, je vais faire deux volets de 10 et demi de large, puisqu'elle fait 20 cm, que je veux l'image entière. Donc 20 divisé par 2, ça fait 10. Et comme je veux qu'il y ait un peu de noir qui se voie, donc ça fait 10 et demi. Donc je vais rajouter sur les 10 et demi, je vais rajouter 1 et demi de marge, de rabat. Donc ça me fait 12. 12 de large sur 20 de haut. Donc je vais faire comme ça. Hein, j'ai besoin que d'une feuille, alors j'ai pas besoin de deux. Puisqu'on va faire du 12. Donc deux fois, puisque je fais les mêmes. Sur 20. Donc je me mets à 20. Et je coupe. Je prends ma table de rainurage. Je viens faire mes plis. Donc à 1,5. Sur les deux volets. Ensuite, mais je pense qu'il faudrait que je mette un truc quand même pour la fermeture. Et oui, parce que du coup, je vais voir ça. Je vais d'abord voir ce que ça donne sur la page. Donc, hop. Ça, je reprends ma page. Je suis en train d'abîmer toute la. J'aurais peut-être dû le faire maintenant. Ah si, vous savez ce que je vais faire, je vais au moins mettre les aimants. Comme ça, ça tiendra en place. J'en ai pris un cassé. Ils sont bien, mais ils se cassent facilement par contre. Je sais pas si si c'est tout pour tout le monde pareil. Hop. Ça, je l'enlève. Voilà, je vais en mettre deux. Il va falloir que j'en recommande à force parce que j'en ai plus. Je vais me baser là-dessus. Donc, je le colle. Et là. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà. Ah. Alors, j'en étais où? Ah oui, je vais voir les. Ça. Qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà.
Donc, je vais coller les rabats. Décidément. C'est la fin de la journée. En général, en fin de journée, je fais tout tomber. C'est normal, tout va bien. Donc là, bien sûr, je pense à couper les angles. Je viens les coller. Avant, je vais les arrondir quand même. Au moins, ce sera fait. Et là, je vais venir coller le premier. Donc, je vais me mettre en face. Donc là. Donc voilà. En voilà. Et donc là, je viens coller l'autre. On aurait pu le coller par-dessus celui-là aussi. Mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Et quoi que si, si je le colle sur le volet, ça va faire comme ça. Celui-là, il va être plus long. Et du coup, là, en fait, ça me fera une pochette en fait. Donc je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Hop. Donc je viens le coller. Je suis bien en face. J'appuie bien. Et donc là, en fait, j'aurai juste à venir coller de chaque côté et ça me fera la pochette. Nickel. Donc, ça, voilà. Alors, avant de coller le papier, par contre, je vais réfléchir. Et ensuite, je ferai bien des genres de livrets, vous savez. Des genres de livrets. Alors. Ça n'est plus. Vous voyez des livrets qui vont partout. Donc ben, je prépare et je reviens de suite. Donc alors là, je vais faire des petits livrets. Donc pareil que d'habitude, 16 sur 12, on fait une pliure à 1 cm. Voilà. Donc là, je vais faire un livret de 3. Ça va pas faire trop épais. Hop. Je regarde l'épaisseur en fait. Bon, on va partir sur 3 et puis je rajouterai si jamais après. Donc, je prends mon double face.
Et j'en avais un autre, voilà, un petit bout de tout à l'heure. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop. Et ça sert de garder les petits bouts. Bon, c'est pénible, on s'en colle partout, mais bon. Donc, je vais partir sur 3. Et après, en fonction de l'épaisseur, on en rajoutera. Donc, hop. Hop. Donc, je viens couper les angles, bien sûr. J'ai les aimants qui se collent partout. Comme d'habitude. Donc, là, il va falloir que j'arrête un peu parce que je fais que des bêtises en fait. Ouais, voilà. Donc ça, je me suis trompée de sens, mais c'est pas grave puisque c'est une pliure. Donc, je vais venir me caler là, le passer par-dessus, mais sans le coller. Là, en fait, je l'inverse. Donc, je vous remontre. Là, je pose l'autre sur le rabat. Ah, bien sûr, vous ne voyez pas. Là, là, c'est pour le positionner, en fait. Et donc là, je vérifie que ça ne dépasse pas. Et là, je viens enlever et coller. Hop. Et donc là déjà nous avons un volet. Je vais venir en rajouter un de ce côté. Donc pareil, sauf que celui-là là pour le coup je le mets de l'autre côté pour pas qu'il me gêne. Donc je me cale. Je vérifie. Ah mais non, du coup, je suis pas bonne non plus. On va faire celui-là. C'est pareil, l'essence là, c'est pas important de toute façon. Puisque là, on va les. Le tout, c'est qu'on laisse une languette de libre et que ce soit droit. Donc. Voilà, nous avons nos 3 volets, donc 6 photos. Donc on peut les regarder comme ça, fait qu'elle se sera attachée, ou comme ça. Donc, l'épaisseur, je vais en rajouter un. Donc, pareil. Alors, je sais que des fois, je refais les mêmes choses et je réexplique les mêmes choses, mais faut savoir qu'il y en a qui sont débutantes et que du coup, elles ont besoin de le voir pour. Mais si vous savez faire tout ça, que vous savez très bien ce que je vais faire, vous pouvez avancer, hein, il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est du vu, revu, déjà vu. Donc, pareil. On se remet comme ceci. Et je vais le faire dans l'autre sens. Ce sera plus facile et vous verrez mieux. Donc. Là. Et on appuie.
Donc voilà. C'est par rapport au rabat surtout que. Et mettre l'autre et du coup en fait je ferai un jardin cadré mais je vais pas parce qu'en fait je voulais en mettre dans les deux sens, je voulais mettre celui-là comme ça non comme ça et après je voulais en mettre un autre dans ce sens-là mais ça allait se chevaucher et du coup ça va faire trop d'épaisseur je pense donc du coup voyez je voulais que ça vienne comme ça. Et l'autre par-dessus. Ça aurait été sympa, hein? Mais bon. Pour que. On va rester comme ça. On peut quand même rentrer de 4, 8. C'est pas mal. 8 photos. Une photo, qu'est-ce que je pourrais faire après? Je coigne ça. Une photo. Une photo. Je fais pareil, ça va pas passer non plus. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une photo. Non, même pas. Bon, allez. Non, on va laisser comme ça. Du coup, je vais rajouter celui-là, rabat. Ça fera 10 photos dans la page. Et puis ça ira. Parce qu'après, ça va faire encore des épaisseurs. Vous savez comment ça marche. Après, on se retrouve avec des albums énormes. Donc, je reprends le bout. Je me cale. Donc voilà, nous avons un accordéon de 10 photos qu'on va venir placer au milieu. Au milieu, et je vais venir faire des languettes pour tenir quand même. Ouais. Donc, ou alors je mets un ruban. Bon, déjà, je vais regarder le fond que je vais prendre pour la page. Ça m'aidera peut-être à voir pour comment j'attache tout ça. Parce qu'en fait, je voudrais pas trop d'aimant, parce que ça va encore rajouter de l'épaisseur, l'aimant. Donc, du coup, je voudrais juste le fermer comme ça. C'est pour ça que je réfléchis. Celui-là, je mets. Et les petites fleurs bleues aussi, c'est sympa. Ah, celui-là, il est bleu. Donc, si je mets un fond comme ça. Bien sûr, il y aura les décos après, hein, donc
Donc, ça va pas aller. Alors, ce que je veux faire, parce que je voulais le glisser, vous savez, sous le papier, et comme ça, en fait, on aurait eu tout l'accordéon. Mais si je le glisse sous le papier, ça va pas aller pour faire les attaches comme je veux, du coup. Sinon, il faut les faire partir d'en haut et d'en bas. Ça va faire beaucoup, puisque là, c'est quand même pas très large. Ou alors, il faut le mettre comme ça. Ouais. On va le mettre dans ce sens-là, alors. Donc, je vais découper mon papier, toujours pareil, à 19,5 sur 19,5. Donc, je regarde si je suis bonne. Surtout au niveau des rabats, là. Donc là, c'est bon. Je vais faire les lanières d'abord. Avant de coller le papier. Donc, pareil, pour lui donner un petit charme, du coup, je viens perforer les bordures. Et je fais l'autre côté aussi. C'est fait exprès si j'ai laissé la longueur de 21, parce que je le verrai à combien je coupe. Hop. Et je fais la deuxième. Bien sûr, vous pouvez y mettre du ruban, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si je la vide pas un peu, ça va plus passer. Donc, je suis là. J'ai plus de force. Là, l'autre côté. La tranquillité. Donc voilà, alors je vais regarder là, donc je laisse déborder quand même. Non, je vais faire les plis, comme ça j'y verrai plus clair. Je vais faire les plis. Donc là, je sais pas, je vais faire un pli à 3. Comme ça, il y a une bonne marge derrière. Un pli à 3. Après, je vais faire un pli à 1/2 cm après. Un autre 1/2 cm après. Et là, je vais faire 4 plis. Encore. Et encore un. Donc, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil sur l'autre. Et c'était sauvé. Donc je fais un pli à 3. Là, je vous disais que c'était fini la tranquillité. Je reviens. Donc, excusez-moi, c'était mon mari. Ça y est, c'est fini. Alors, 1,
2, 3, 4. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on vient marquer les plis. Toujours pareil. Voilà. Ah, j'en ai oublié. Donc voilà. Je fais pareil à l'autre. Donc voilà, et puis là du coup je vais venir voir là. La longueur à peu près, donc j'essaye de me mettre à peu près droite, mais alors là je compte pas les... Je me mets là où ça va être collé. Voilà. Je l'ai fait se chevaucher un petit peu pour voir à peu près la taille qu'il faut que je coupe. Et donc là, centimètres, et là ouais, pour moi 12 cm c'est bien. Donc quand je vous dis 12 cm c'est du premier pli, donc ce qui va être collé jusque là. Et là je compte large parce que comme ça quand il y aura le ça là, l'épaisseur, ça va gonfler, donc du coup ce sera moins large que 12 cm. Vous m'avez suivi? Je sais pas si vous m'avez suivi, je suis désolée, mais je vais arrêter là, je finis ça et j'arrête parce que même moi je me comprends même plus du tout. Donc je suis à 12. Alors pour couper à 12, ben, je me mets au pli là, je vais jusqu'à 12. Hein. Donc, voilà, je vérifie ce que ça va donner. Voilà, ça. Et donc je vais venir les coller. Oui, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée de sens. L'autre pareil, voilà. Donc ben là je vais venir en coller un, hein. Donc je vais aller à peu près au milieu, hein. On dit bien à peu près.
Et là, du coup, je vais venir faire pareil pour l'autre. Alors, je vais me mettre droite. Vous voyez, je fais attention de ne pas trop appuyer parce que j'ai le double face qui dépasse un peu. Donc, ce qui n'est pas grave puisqu'il y aura le papier dessus. Pourquoi que je mettrais bien ça comme fond aussi, ce serait super joli. Voilà aussi, ça va aller. Ça. Donc, je vérifie sans trop appuyer non plus puisque... Là, je vais venir voir où je veux mettre. Donc je le retourne. Ça va être du pif, comme souvent. Et là, je vais juste faire ça. Vous pouvez prendre les mesures et tout. Là, c'est vraiment parce que je vois que j'ai que celui-là. Donc, ça va. Et, je vais quand même vérifier que je suis bien à la même dimension. 4,5. Ça va. Donc, je viens prendre le cutter. Est-ce que je suis bien à 16 ou non? Parce que ça, par contre, c'est important. Et oui, là, je suis pas à 16 pile. Là, par contre, je viens récupérer le millimètre qui manque. Là, voilà, donc je vais venir passer mon rabat de ce côté qui bien sûr ne va pas passer parce que j'ai pas coupé le bout. Voilà. Si vous voulez pas vous embêter à faire ça pour le coller et tout ça, vous pouvez coller la première et après faire le montage là-dessus. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Hein. Comme d'habitude. Hein. Bien sûr. Il faut que je mette les doubles faces de l'autre côté. Voilà ce que ça va donner. Et là, on ouvrira ou comme ça, dans l'autre sens, ou alors page par page, comme on voudra. Donc, je vérifie. Et donc là, hop, je colle. Et donc là, vous voyez, là, on pourra mettre une autre photo. Donc, je pense que je mettrai carrément un papier noir. Je pense. Donc par contre là, important, on va venir maintenant le bloquer avec du double face. Oups, que j'ai fait tomber bien sûr.
En fait, là, je suis en train de couper le double face que j'ai pas, que j'ai mal coupé. Ah, j'ai oublié ce morceau. Voilà. Donc là, je vais prendre. On pourrait très bien le mettre dans l'autre sens aussi, qui s'ouvre comme ça. C'est vraiment comme on a envie. En fait, vraiment. Non, moi, je préfère dans ce sens-là. Donc, on y va. Je vais reappuyer comme il faut. En fait, je sais même pas si je l'ai fait ou pas. Surtout à ce niveau-là où il y a le support, parce qu'il porte les photos là. Hop. Là, je vais coller ça là et puis après je collerai le reste. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et donc là, je vais coller la suite. J'ai pas eu. Ah si. Donc voilà. Hop. Alors là, je vais mettre les aimants directement. Comme ça, ça tiendra. Je vais. Hop. Bon. Donc je vais en coller un. Alors, déjà, il faudrait que je voie à peu près. Bas. Donc on recommence. On va mettre là. C'est que j'aurais voulu en mettre deux. Il n'y a pas des mains là déjà. Pourquoi il bouge tout seul? Ici, il va y avoir un aimant dessous. Ça doit être ceux de la page de derrière, je pense. Qui me le fait bouger. Donc, je vais en mettre deux quand même. Parce qu'avec le poids, je préfère. Mais bon, là, c'est pareil. C'est mon avis à moi. Après, vous n'êtes pas obligés. Donc, toujours pareil, la même méthode. Hop. Donc là. Et donc là, je viens appuyer. Et bien sûr, il colle pas. Hop, voilà. Bon, voilà. Et vous voyez, je pense que même faudra en mettre là pour le maintenir un peu. Juste parce que je pense que ça suffira pas.
Le poids. Surtout, enfin, avec les papiers et tout, c'est un peu... J'entends pas le bon bruit de les mains qui marchent bien, vous voyez. Donc, ça, je le verrai après. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben là, je vais venir fermer ma pochette. Donc, je vais prendre mon double face. Je viens me mettre au bord. Là, je coupe. Là aussi. Je vais appuyer. Et donc là, rien de plus facile. En plus, elle était faite toute seule, du coup. Donc là c'est pareil, on va venir mettre un aimant pour le fermer, bien sûr. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Je crois que non, il va pas aller l'autre. Il va pas aller. Ah, bien sûr, je tombe. Donc, comme ça. Donc, on triche là, hein, on débrouille comme je peux. Donc du coup, je vais le cacher sous le papier qui aura la pochette. Vous voyez? Je vais juste rajouter un petit boule de double face pour les mains. Hop. Voilà. Hop. Et du coup, là, pour la fermeture, je sais pas. Mis à part faire les lanières pareil. Donc alors j'ai coupé ma feuille là que je voulais mettre en avant en deux, donc de 10 de large sur 19 et demi de haut. Voilà, là je suis venue mettre un aimant pour après en mettre un là pour que ça maintienne un peu mieux, parce qu'en fait j'ai décidé de me servir des embellissements en bois comme fermeture. Donc là, il est là, donc en fait je vais venir le coller comme ceci et après il y aura l'autre dessus. Voilà, et ça va maintenir fermé. Voilà, donc je vais coller du coup cette image, cette partie d'image. Donc je vais mettre le double face. Que je suis en train de me dire que je pourrais bien découper les images. Ouais, non, c'est pas la peine. Il y a déjà la fille, la petite fille et tout, ça va faire trop charger après. Non. Voilà. Bien sûr,
ça m'énerve. J'arrête pas de déborder avec le double face aujourd'hui. J'oublie pas de faire les angles, donc je fais attention au sens. Voilà. Là, je vais venir le couler. Alors, je vais le mettre peut-être à plat. Oui, ce sera plus facile. Donc, donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir coller ma valise. Là, je vais le faire au double face, mais il y a des chances que demain, si je reviens, que c'est ça n'a pas tenu, je pense que je le ferai à la colle. Donc on va essayer comme ça. Mais après, je pense qu'il faudra quand même de la colle. Donc, je vais sortir ça. C'est un nouveau double face donc que j'ai acheté sur Amazon. Bon, il a l'air de mieux coller que les autres là, mais enfin, hormis celui que j'ai racheté à Creative Hobby, parce que pour le coup celui-là il colle très bien. Mais bon, il est en large, il est pas. Et donc là, alors je fais attention, voilà, de pas déborder sur avec la colle, hein. Et j'appuie. Voilà, je suis appuyée, j'hésite pas. Donc voilà. Là, je vais venir y coller un aimant. Voilà. Mon double face. Bon, l'aimant, c'est pareil, hein. Il y a des chances que je reprenne avec de la colle après. Hop. Et là, je vais sûrement venir faire quelque chose pour décorer. Hein. Je pense pas le laisser comme ça. Et là, vous voyez, du coup, ça me fera la fermeture. Ben là, ça va être pareil, quoique non, c'est trop près. Je ne trouve plus l'autre. Ah oui. Là, je vais mettre l'aimant en plus, là, que je vous disais, tant que j'y pense. Et c'est un comble ça. J'ai encore perdu mes aimants. Normal. Donc là. Voilà. Comme ça, ça fera un aimant de plus. Et là, vous voyez, c'est dommage. Je peux pas le faire. Quoique je peux le coller. Je peux en mettre un juste à côté peut-être. Si je le colle comme ça. Juste au bord. On va tester. Hein. De toute façon, c'est ça qui est bien avec ce double face. C'est que comme il ne colle pas vraiment, du coup, c'est pas grave si on se loupe.
faut juste que du coup je décale le. Donc c'était comme ça, donc je vais le mettre dans ce sens là en fait. Et là, hop, voilà. Là c'est pas grave, je vais le sortir un peu du bord, là je colorerai. Donc voilà, alors ça va se présenter comme ça du coup. Donc là pareil, je viens coller. Je suis pas allée droite. Non, mais là on finit cette page puis je vais aller faire à manger et tout quand même pour ma petite famille parce qu'elle est pauvre. Donc, alors pareil que tout à l'heure, par contre je vais me mettre à plat, ce sera plus facile. Même. Je vais y arriver. Et donc là, je viens coller pareil. Donc voilà. Il ne me restera plus qu'à décorer les rabats, la languette et notre cascade, mettre les papiers. Voilà. Après, on peut la regarder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou on pourra tirer. Ce sera au choix, en fait. Donc voilà. Hop. Là, ça tient. Juste à voir, voilà, pour le l'embellissement en bois, là, la valise, voir, je pense qu'il va falloir le coller plutôt à la colle. Donc si vous avez le temps, parce que là, moi, c'est parce que il est tard, mais si vous avez le temps, faites-le directement à la colle, vous gagnerez du temps pour la suite. Voilà, je n'ai partout. Je sais pas. Non, bon, on va le finir demain, je pense. Ouais, là, il va falloir que j'aille faire à manger. Donc, je vais vous mettre ça en ligne. Et alors, je sais pas si je pourrai demain, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous encore. Ben, on se retrouve très vite, en tout cas, dès que je peux. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.